Donc, immédiatement après, on va faire cœur à l'ouvrage. Donc, on n'a rien vraiment de dévoqué de bien probant, vu que même en vous infiltrant quand on est dans des lieux qui, dans d'autres lieux de Steen, bah, allez, si, on va débloquer le Silverballer, et c'est tout. Tiens, par contre, je veux vérifier quelque chose immédiatement. Est-ce qu'on débloque effectivement? Ça devrait être dans l'outil. Non, on ne débloque pas du tout. C'était quand on a pu se mettre Terraï, mais du coup, en fait, pas du tout. Je me suis. C'est vraiment bizarre. Chaque fois. Sinon, peut-être que ça parlait des, comment dire, des brouilleurs à usage unique et que tu peux en trouver dans. Comment ça s'appelle? Dans Flûte. Plusieurs casiers qui sont fermés à l'aide de crochet. Du coup, c'est peut-être ça qui peut être débloqué comme ça dans cette mission. Bon. Il t'en est avoir eu un truc comme ça. Mais enfin. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Enfin, si je vais en avoir besoin, parce que je vais me déguiser en garde. Oh, puis non. La manette sera suffisamment utile. Du coup, du cœur à l'ouvrage et samedi de ce côté-là. Allons-y, let's go. Je me souviens plus si le costume de ninja est suffisamment suspect pour que même dans les zones publiques, tu sois, comment dire, poursuivi. Là, c'est une bonne question. Là, vous avez beaucoup de caméras au mieux. Normalement, ça peut être un peu embêtant, mais hop. Hop. Tiens, il y a une peine ici. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Du coup, on va avancer dans les rangs des costumes. Toi, on met ta tête de telle sorte à ce qu'on puisse. Voilà. Pas à tout faire, non, pas de nouveau costume. Bon, du coup, on va aller écouter la conversation. Ensuite, on va aller voir le cœur et s'en occuper. D'ailleurs, c'est sympa que c'est les deux dernières opportunités pour finir de, comment dire, de trio. So it is true. The guy's had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how does it work? Does it work? Sorry, you're just gonna have to wait for my research paper. I'm following the trial closely, and with a little luck, it'll be the basis for my doctorate. All I can say is, I've got a very interesting bit of insight. Fine. Donc là, je vais juste faire comment dire ces deux opportunités, c'est-à-dire le cœur ouvrage et Tenneken qui était proposé. C'était sur autre chose, je crois. Mais vraiment juste faire cela. Ensuite, comment dire, en petite chose, c'est je ferai la petite quête du comment dire. What do you want, man? Just try me. Just try me. Une petite quête justement qui est liée au docteur et à la puce. Donc, on a le journal de l'assistant. Donc, on apprend que la puce a peut influencer l'humeur de l'hôte. Ah, ça doit être un décor qui a été découvert.
Bon, des choses qui arrivent. Ah non, dis donc. N'a tes commandes, comme c'est écrit, aller dans les dortoirs. C'est un endroit qui est vraiment très facile d'accès et qui est en plus peu surveillé. En fait, pas du tout. Donc voici la télécommande. D'ailleurs, ici vous avez où est-ce qu'ils sont? Pas là. Près d'ici, vous avez des personnes qui jouent à un petit jeu de. Comment ça s'appelle? De Dante's Revolution de ce style-là. Et vous pouvez faire jouer 47 à ce petit jeu. Et d'ailleurs, si vous êtes déguisé en. Comment dire? Déguisé en ninja, il va nous sortir une de ses performances extraordinaires. Donc, faut être assez près du patient pour. Ne machin. It needs to be a place for everything, everything in its proper place. What? Oh, why haven't I noticed before? I need to share this okay, with my back business. Alors, c'est simple. Quand on augmente la dose, il est euphorique. Quand on diminue la dose, là, tout est foutu. Bringing joy to the world now, 47. Well, let's see where this takes him, shall we? That is the right-sided donor heart destined for sodas. This is what he sold out the ICA for. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, vraiment, tout va bien. Mais, sauf que nous, on les enfoirés, donc, un, on va faire ça. Et deux, on va faire ça. Elegant solution, 47. With sodas on the operating table, and no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand on him. This should be a clear message to anyone. Sauf que du coup, on va recharger la partie parce que l'objectif c'est pas de se faire repérer. Et surtout, on va faire sa mini quête à lui. Oh non. Here it comes. Yo. Bon, je vous ai dit que pour lui tout était foutu, c'est pas une dague. C'est quand on augmente la dose, quand il est bruit, quand on diminue la dose, là il est complètement dépressif. The soda's on the operating table, and no hope of getting a second right-sided heart in time. You have effectively killed him without laying a hand on him. This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. Donc ça prend un peu de temps, donc si vous voulez voir la source chaude, avancez un petit peu. Vous pouvez Ah, quel poète. I bank on the misery of others. I fill up a tiny space. It'll close up fast when I'm gone. Des très beaux environnements. Très sympathiques. Yeah, the gig's all right.
Food's decent. Most of the people here are just lazy rich people. It's not like Mogadishu, that's for sure. I leave this world as a simple stay. On peut voir le directeur qui se balade et en fait, quand on se retrouve là, c'est une très bonne occasion pour avoir l'assassin précis. This is as good a spot as any. One small step. That's all it takes. From this height, there's no return. No second, third, fourth chances. Perhaps if I go ahead first, the fall will crush that cursed language. Et donc là, et ben c'est foutu. D'ailleurs là, comme t'as dit, ils se sont tués évidemment. Parce que quand vous faites des machins, faites gaffe à pas comment dire de laisser justement en ayant baissé la dose. Car c'est un très bon moyen de foutre en air mon truc. Allez. On va le laisser, on a je vois de la dégraisse. Du coup, est-ce que l'intrigue... Oui, parfait, vu que comme l'avait éliminé, on sait jamais avec des intrigues, des fois tu vas pas trop vite et ça s'enlève. Du coup, là maintenant, on va jouer au coach de méditation et on va, comment dire, trouver le planning d'abord pour savoir avec qui, comment dire, il va le faire. Donc, on devine aisément que ça va être avec Yuki Yamazaki. Et après, on doit récupérer nos costumes qui, comme vous l'avez vu, est au sous-sol. Mais d'abord, on va faire quelques petites choses, parce que sinon, notre, comment dire, notre action sera repérée. Donc je profite du fait qu'on ait ça pour pas avoir à, comment dire, à me... à récupérer certaines choses. Par contre là du coup il me faut la CNI anglaise. Je crois qu'il y a une CNI anglaise dans la morgue. Que dans la morgue il y a une petite section d'outils. À moins que ce soit un tournevis. Car on peut saboter une... comment ça s'appelle zut. Les électrochocs. Et ainsi, comment dire, faire en sorte que ça tue, comment dire, Eric Soder. Donc on va voir, CNI anglaise ou... Et on a, évidemment, pas de bon. bon bah du coup, je pense savoir où c'est. Normalement, il y a des personnes qui travaillent dans la cour. Donc du coup, j'ai pas, comment dire, la CNI anglaise, mais je vais la trouver. Du coup, vous retiendrez. La CNI anglaise, c'est dans la cour. Le tournevis, c'est... dans la morgue. J'ai d'ailleurs en profité pour me redéguiser. Bah, j'avais pas mis un déguisement ici. Bah, bon didou. Bah, bon didou. En sécurité, côté d'ailleurs. Voilà. Bah d'ailleurs ici il devrait y avoir une cliente, voilà.
Et voilà, lui ne connaît pas les gardes. Est-ce que, tiens, il y a une intrigue pour deux sodas. Bah vous savez quoi, je vais faire ça en même temps. Enfin, en même temps, façon de parler. Ah, parfait. Donc, on fait ça pour virer tout le monde. Et ensuite, je vais, comment dire, à la place de faire l'intrigue, je vais augmenter la température ici. Parce que Jimmy Yamazaki aime bien aller prendre un petit soda. Sauf que là, la température n'est pas assez forte. Heureusement, en augmentant la température, 1, ça garde les gens. Et puis 2, ça va être du coup au goût de Yumi. Et merde, trop tôt. Et mince, quelques secondes trop tard. Bon, c'est pas grave. Monsieur Yamazaki, je crois que vous avez time pour une yoga lesson. Yes. To be honest, sorry, I really need to wonder if you ever make this show. Come from that, okay? If you will just follow me. Bon, du coup, pour l'histoire du sauna, vous le faites, mais rapidement, du coup. De toute façon, elle fait un article, donc elle finit de toute façon par revenir. Allez, maintenant une petite séance de yoga personnelle. Well done, 47. Now to make her spirit and body. Vous pouvez deviner ce qui va se passer. I'm ready to begin. Miss Yamazaki. Very well. Let's begin. Let us begin with upward facing dog when you're ready. Pas lentement mais sûrement. And finally, tree pose. This one is tricky. Find a good spot for it. That's both targets down. Time to find an exit. Head down. Alors là, normalement, c'est bon. Là, vous avez toutes les opportunités qui sont terminées de ma part. Mais il me semble qu'il y a un petit secret ici. Je crois qu'il faut faire ça, si je me rappelle bien. Et il va y avoir quelqu'un qui va apparaître là-dedans. Au pire, si ça se fait pas dans les... Comment dire, une fois que ma larme est terminée, du coup... De toute façon, là, le reste de la vidéo, je vous le dis, c'est comment dire. C'est essayer de voir si là, il y a effectivement un secret ou non. Et essayer de faire, comment dire, de cela. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que l'assassin silencieux en costume. Dans ce niveau-là, et c'est pas aussi dur qu'on peut le penser, mais c'est vraiment juste trouver, comment dire, la route qui est extrêmement dure. Vu que, comment dire, t'as très peu d'endroits, du coup, tu peux te balader avec le brouilleur. Si tu veux la puce RFI, il faut, comment dire, accéder par, par un couloir où il y a une tonne de monde. Mais bon, après, c'est loin d'être impossible.
Voilà. Donc effectivement, c'était ça que je cherchais. C'est là, tout le monde se met dans une position de méditation. Et ça, en fait, pour ce faire, il faut 1. Couper l'eau, ici, et 2. Activer l'alarme anti-incendie. Du coup, je vais voir si je peux pas rapidement, déclencher tout ça. Hop. Et je vais, la retarder. Parce que bon, ça c'est toujours une des petites astuces. C'est notant que, tout le monde se barre, tu peux retarder la cible, donc tu peux faire la même chose avec les gardes pour faire en sorte de, par exemple, de faire en sorte qu'ils arrivent à un, certain moment dans, sur un lieu, les retarder, etc., manipuler le timing. Du coup, là, voilà. Vous pouvez voir, en fait, tout simplement, juste un peu pousser, les gens, parfois, ça fait toute la différence. Donc, non, on attend que tout le monde... Ok, c'est trop, même pour moi. Bon, ça va pas proposer de... option. Qu'est-ce que c'est que ce... buzin? Attends, ça c'est pas normal. Ah, des choses qui se passent bien. Donc, on la retarde. Les NPC ont vraiment un très beau taux de résistance avant de, de devenir soupçonneux malgré que tu n'arrêtes pas de les pousser comme ça. Ça, je vais essayer de foncer, récupérer un autre déguisement parce que peut-être que de, que le déguisement de yoga, mais ça m'étonne quand même, peut-être que le déguisement de yoga m'empêche de... un conflit avec normalement il n'y a pas de conflit du tout avec ce genre de machin. Puisque normalement tu peux fermer la porte. C'est ça qui est bizarre. Alors peut-être que ça a été enlevé, mais ça m'étonnerait quand même. Un jeu silencieux, blablabla, assassiné Yumi Yamazaki en enfermant dans tout cela. Alors peut-être qu'il faut qu'elle soit consciente, mais normalement, dans le premier Hitman, il fallait qu'elle soit consciente. Ou sinon, peut-être qu'il faut un autre... Ah bah là, je suis curieux. Vous savez quoi? Je vais aller chercher. Parce que là, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Allez, je vais recharger très rapidement. Et je vais foncer, récupérer un autre costume. Mais c'est bizarre. Pourtant, faut pas de... fallait pas de pied de biche. Fallait pas de machin comme ça. Vraiment très étrange. Alors, je vais y aller à la bourrin. Hop. Ouais, non, de toute façon, là, ça m'a stoppé.
quand je suis assez, comment dire, déterminé, on va voir, on dirait si je peux pas faire comme ça. Non. Pourtant, la température est bonne. Bon, bah là, je sais pas. Tu vois, qu'est-ce que tu me dis hein? On va terminer sur une petite fusillade. Mais bon, c'est vraiment bizarre. Oui, mais merde, j'ai pas su. J'allais courir sur, comment dire, vers l'élévateur, mais du coup, effectivement, ça ne va pas marcher. Mais là, c'est vraiment bizarre d'habitude. Alors, peut-être que, bah non, si jamais j'aurais augmenté la température. Non, en fait, normalement, pendant tout ce trajet-là, en fait, je devrais pouvoir être capable de lui fermer la porte au nez. C'est ça qui est bizarre. Oh, 200 degrés. Ok, c'est trop beaucoup. Même pour moi. Non, non! Sinon, peut-être que j'allais pas couper l'eau pour une bonne. Non, l'eau, c'est de ce côté-là que ça gère. C'est pas dans le sauna. Du coup, c'est vraiment très étrange. Bon, enfin. C'est une mission quand même accomplie. Et du coup, on passe par l'élévateur. Il est vraiment très bizarre. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il me restera comme intrigue? Mais des cœurs à l'ouvrage. Donc, il faudra que je me mette en directeur. Que je fasse le corps. Tiens, d'ailleurs, ça c'est marrant, et que le nouveau visage, c'est pas. Comment... Un, ça fait référence à Paris Showstopper, et deux, c'est une de ces opportunités qui ne va pas te donner, excusez-moi, une opportunité pour tuer la cible, mais plutôt pour mettre dans l'endroit en fait, de bloc opératoire. En fait, là, en tirant sur l'effet de. On a le support de l'élévateur, vous ne faites aller beaucoup trop vite, ce qui fait que ça peut entraîner la mort de l'Ilizalazaki si jamais elle emprunte pour s'échapper. Donc voilà, pour les deux intrigues pour le défi. Je trouve vraiment très sympa qu'ils aient décidé de choisir deux intrigues à faire spécifiquement dans chaque niveau. J'espère qu'il y a le même genre de choses pour les niveaux d'Hitman 2, vu que ça permet aux gens d'explorer un peu plus dans la carte. Parce que j'en connais parfois qui font juste une mission, et puis après, c'est bon, ils passent à la map disante, et puis après, ils arrêtent nos machins alors qu'ils n'ont même pas exploré une bonne partie du jeu. Du coup, là, je dénote on commence enfin à parler. On a un costume. Le couteau pliant, c'est inutile. Un shuriken, c'est inutile. Une chambre froide, ça peut être utile. Ça va être utile. État de la scène d'opération, je n'utilise pas trop. Enfin, je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je m'occuperai des trois intrigues qui restent, c'est-à-dire nouveau visage, le goût du risque et fantôme dans la machine. Allez, salut les gens!